こんば。それにしても君の周りもだいぶ賑やかになってきたよね。どう？仲間のみんなとはうまくやれてる？ Pas mal。そう。なら安心だね。あと一週間で次の満月だよ。準備はできてるかい？って、最近はあんまり心配してないけどね。でも気をつけて。また会いに来るよ。L'entraînement. J'adore. Ou pas. J'ai battu mon record. Je suis deuxième de l'équipe. Plus qu'une personne. Le tournoi a lieu après-demain. On essaye. Voyons voir où mène cette adresse internet. Le forum d'Iwatodai, on dirait un forum pour les gens du coin. Le sujet de discussion le plus récent est... Scoop, secret concernant le distributeur en face de la gare. Je vais jeter un œil à ce sujet. Anonyme 10. Quand est-ce qu'ils vont réparer ce distributeur, lol? C'est quoi ce secret? Tu peux toujours acheter les boissons marquées en rupture. Le distributeur est cassé, donc certaines boissons sont marquées en rupture, alors que c'est pas le cas. Appuie juste sur le bouton, je te conseille le pack 4 biotiques. Apparemment, les boissons marquées en rupture peuvent quand même être achetées. Je devrais peut-être essayer à l'occasion avec le distributeur devant la gare du Iwatodai. Il commence à se faire tard, je devrais regagner ma chambre. Oui, je m'en fais pas tellement pour les stats. Dernier jour d'entraînement spécial. Youpi! Ça par contre je vais pas aller faire. C'est une perte de temps. Enfin, je crois que ça a monté les stats. Il me semble que j'avais essayé. Voyons voir où mène cette adresse internet. Le site de la vengeance, ce doit être celui dont parlent les rumeurs. Il y a toutes sortes de requêtes postées ici. Je sais qu'il passe son temps à me casser du sucre sur le dos. Je déteste ça, je veux me venger. Les publications haineuses aspirant à une vengeance pullulent. J'ai l'impression que ma détermination s'est renforcée face à toute cette négativité. Ah bon? Ah d'accord. C'est aujourd'hui le tournoi régional d'athlétisme. Un dimanche? Il est temps de partir. ⁇ 9,58 à battre? T'inquiète. そろそろお前の番だな。どう？いけそう？Je fais du 0-100 en 2 secondes 58. Carrément. おお、頼もしいな。それじゃ初めてのお前にアドバイスだ。とにかく気合じゃ。根性で乗り切れ。己に勝つんじゃ。
Je reconnais bien là le Kaioken x4. Yosha! Qui a été de Kouya? Fuki! Hai! Ike ike! しかもこの大舞台で自己ベスト更新。ああ、大したもんだ。夏休み中もあんなに頑張ってたもんな。でも悔しいよね。結局さ、またあの選手が優勝しちゃったもん。あ、もう早瀬だろ。大会で優勝を総なめにしてるっていう。 やべえやつがいるって噂は聞いてたが、すごすぎだぜ。うちにもあんなやつがいればな。あ、あの人、早瀬じゃない？優勝。よ、お前、早かったな。ちょっと、試合中ね。 そうか、よっぽど。突然の頼みですまない。またいつかお前と会いたい。いいか。 Putain, il essaie de me pécho. Ouais, pourquoi pas. そうか、よかった。お前はまだ未熟だが、特別な資質がありそうだ。お前とは刺激し合える気がする。俺は放課後はいつも 岩戸田駅前の商店街で飯を食ってる。お前の気が向いた時でいい。一緒に。俺は早瀬守るだ。よろしく頼む。よろしくお願いします。すごいね。目をつけられちゃったね。ふん。あいつにまた会うことがあったら、次は俺が勝つって伝えとけよ。 いや、落ち着きなって。そうだ、早瀬の対抗馬って言われてた参考の新村いなかったね。参考のやつらに聞いたんだけどよ、あいつ連絡取れないんだって。家に行ってもいなかったよ。行方不明ってこと？家出とか、早瀬にビビって逃げたとか。もしかして 例の無気力症みたいな。知らんけど、見つかるといいよな。いいやつだしさ。うん。なんて沈んでるのおかしいよね。うちはいい成績だったしさ。とにかく今日はお疲れ様。それじゃあ帰るか。 J'ai décidé de rentrer avec mes coéquipiers. Kimiko. D'après Akiko, tu as fait bonne figure lors du tournoi. J'aurais préféré gagner. Yeah. Quoi qu'il en soit, je suis impressionné par ta capacité à réussir dans autant d'aspects de ta vie. Oui, Yuki, c'est super. Tu devrais t'accorder un peu plus de crédit. Au moins, toi, tu fais quelque chose. Pas comme une certaine personne que je connais. La bave du crapaud... Enfin bref. C'est bientôt la pleine lune, non? Et je veux au moins pouvoir t'aider à accomplir la mission. La prochaine pleine lune est le 6 août. C'est jeudi. Nos ennemis seront plus puissants que la dernière fois. Prépare-toi bien. おはようございます。こちらエリザベスでございます。またしてもタルタロスに迷い人がいらっしゃいますので、ご連絡差し上げました。今回は2人のようです。お早めの捜索をお願いいたします。
それでは失礼いたします。了解です。お兄ちゃん、今までありがとう。舞子、さよなら言わなきゃ。舞子、今から家出するの。お父さんとお母さんには内緒だよ。ちょっとあなた、小学生くらいの女の子見なかった？少しは落ち着きなさい。落ち着けですって？舞子に何かあったらどうするんですか？なんだと？大体お前が勉強ばかりさせるから。あなたはいつもそう、全部私に押し付けてばっかりじゃない。じゃあ俺が悪いっていうのか？目を離すからこんなことになるんだろう。それどころじゃない。お兄ちゃんというのは君だね。舞子から聞いたよ。ピアノをサボって高校生のお兄さんと遊んでいると。何ですって？聞いてないわよそんなこと。まさかあなたが舞子に？ La femme est extrêmement agitée。 うるさい、お前は少し黙ってろ。失礼した。私たちは舞子の親です。実は朝から舞子が見当たらないんだ。部屋に置き手紙があって、舞子こんな家出ていくと。こんなことする子じゃなかったのに。 On devrait partir à sa recherche。 そうだな、まだ近くにいるかもしれない。Là, il n'y a pas de bonne réponse ou quoi que ce soit, parce que de toute façon, on ne s'adresse pas à la gamine. Maiko, pourquoi tu fais ça? Naki, Maiko, tu as un cœur à l'intérieur de Maiko? Tanoa. Essaye le stand de Takoyaki. Takoyaki? そうか、そのことで。ごめんな、舞子。本当にごめん。君には迷惑をかけてしまって。なんと言ったらいいか。T'es aux anges, c'est l'arcan。Maiko semble soulagée de voir que ses parents s'inquiètent pour elle. J'ai l'impression qu'on se rapproche. Là, par contre, il n'y a eu aucune montée du lien. Le prochain rang, on va rigoler, je pense. より、タルタロス探索に参加します。
よろしくお願いするであります。私にはペルソナ召喚以外にもその力を応用した戦闘用機能が搭載済みです。詳細は後ほどご説明しますが、こうご期待であります。J'ai hâte de voir ça. その時は、とくとご覧あれ。で、我々の目下の目標は、満月に出没する大型シャドウの討伐。それを完遂するためには、タルタロスでの実践データが不可欠です。目標のため、私を効率的に運用してほしいであります。Le mode Orgia, Orgia.Lorsque la jauge de théurgie d'Aegis est au max, sa théurgie peut être utilisée. Une fois le mode activé, Aegis attaquera automatiquement à son tour de jeu pendant 3 tours sans qu'on lui demande. Son attaque et sa défense augmentent aussi de manière significative. N'oubliez pas qu'une fois le mode Orgia terminé, Aegis surchauffe, ce qui l'immobilise à son prochain tour. Vas-y, pousse-la, elle a pas de pied, elle tombe.La carte dans ma main réagit. Plusieurs cartes d'arcane majeures ont été ajoutées au tirage. Le pape, le niveau de votre persona actuellement équipé augmente de 1. Ouais. Les bonus de lien social pour les fusions de persona augmentent jusqu'à ce que vous quittiez Tartare. Pour les fusions de persona ? C'est super intéressant ça.Pendant que je patientais jusqu'à ton retour, j'ai senti quelque chose changer au sein de Tartare. Un certain nombre de portes étranges sont apparues à l'intérieur, il semblerait. Là où mènent ces portes, qu'un destin funeste ou prodigieux t'attendent derrière. Je serais incapable de te le dire. Mais je pense que tu es capable de le découvrir. Prends un risque, tu pourrais peut-être découvrir quelque chose d'utile. Je peux le faire.Excellent, j'ai foi en toi. Ceux qui défient l'inconnu, en choisissant le risque au lieu du confort, parviennent souvent à atteindre l'excellence. Je pense que ce genre d'épreuve permet de faciliter une certaine évolution personnelle. Ton courage t'aidera à progresser, Makoto. J'espère sincèrement que tu continueras à faire le nécessaire. Il se passe quelque chose d'étrange au sein de Tartare. Ces portes, devrais-je essayer d'en savoir plus ? Mais attends, ça c'est nouveau ça ?C'est carrément nouveau, non? Je sais qu'il y avait des portes dans Persona 3 Portable, mais c'était à la fin. Alors, on prend qui? Je pense qu'on va prendre Aegis. Et on va virer Sanada. Non, je n'aime pas être entouré de femmes, pas du tout.Alors, elle est niveau combien? Elle est niveau 27. Putain, Junpei, il s'est fait larguer, là. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça doit être le boss. I guess. C'est sûrement ça. Allez. On fait quelques étages. Bon, j'ai pas besoin de lui demander pour les personnes disparues, puisque de toute façon, je monte. Merde, je me suis trompé. Avant de combattre un ennemi plus fort, j'aimerais que tu utilises une de mes compétences qui s'appelle Aura Sylphide. Ça fait quoi? Une compétence de soutien qui augmente automatiquement la défense et la précision esquive de l'ensemble du groupe au début du combat. Ça perdure d'un niveau à l'autre, mais sera annulé quand vous déclenchez un combat. Utilisez la compétence avant les combats décisifs et les rencontres clés. Ok. Ouais, elle est loin la personne.Je reçois le signal faible d'une personne. C'est peut-être l'une des personnes qui se sont perdues ici. On est encore trop loin pour que je puisse la localiser avec précision. Oui, il a raté deux boss, c'est vrai. Il s'est fait un peu larguer, il était de côté. Le pauvre. Ah, c'est ça, le mégaron de la mort qui tue, là. J'ai vu une aura. Cette zone, ça reste ici. Il y a une impasse. Mais vous devriez pouvoir passer. Tu peux vérifier? Oui, je peux. Ça se déclenche assez vite, ça va.On dirait que les secousses se sont calmées. Tout le monde va bien?
La voie vers les escaliers est ouverte. Vous pouvez continuer à avancer. On ne sait pas ce qui vous attend. Alors soyez prudents. Déplacer une structure aussi énorme doit demander une quantité d'énergie considérable. Mais les lois de la physique ne s'appliquent peut-être pas ici. Ah, ça fait du bien un peu de changement. Oh, critique. Tu fais tourner l'équipe pour que tout le monde soit plus ou moins au même niveau. Mais il paraît que ça sert pas à grand chose. Puisqu'on peut rattraper très facilement. Et c'est ce que je faisais jusqu'à maintenant. Pixie supérieur, c'est beau ça. Allez, viens là toi. Et je crois que je l'avais déjà eu celle-ci. C'est pas grave. On va fusionner ça, tu vas voir. Oui, les pierres, on en veut. Donnez-moi des pierres. Putain, les structures par contre, elles me perturbent. A plus tard, là. Bonne soirée. Subigel. C'est beau. C'est quoi? Ok, peut-être le vent. Je sais jamais trop. Magali, essayons. Évidemment que c'est ça. Ouais, ça t'avait perturbé au départ toi aussi. Ouais, en fait c'est le manque de mur à proprement dit. Naga, je l'ai déjà eu. Mais let's go quand même. On va fusionner tout ça. Voilà, j'ai déjà plus de place. Hein. Ouais, je pense que je l'avais, Pixie supérieur. En plus, tant que je vais pas l'inscrire en bas, si je la libère, bah, elle l'est pas. Mais comment savoir si je l'ai déjà inscrite? Enfin, il me semble que c'est ça. Corrigez-moi si je me trompe. En plus, j'ai intérêt à faire gaffe parce qu'il y a plein de petites alcôves comme ça. Peut-être qu'il y a des trucs à casser dedans, quoi. Bon, je vais peut-être en rater, c'est pas très grave. Ça, c'est sûr, je vais me planter aussi sur cette attaque-là. Et pareil, il faut pas que je ressorte tant que j'ai pas au moins 100 000 balles, là. Salut Oz, comment ça va mec? On va tâcher de pas tout cramer au premier niveau. Donc on procède à quelques économies sommaires. Neko Shogun, je crois que je l'ai fait déjà. Ah merde, elle est équipée celle-là. Oh, c'est relou.
Mokoi, je vire. J'en ai plus besoin en plus. Je suis dégoûté, j'ai commencé à DLFF7, la PS5 annonce 8 heures. Si je l'ai jamais eu, ouais, je verrai nouveau dessus. C'est vrai, il me semblait bien. Merci. Enfin, déjà, le premier étage est assez balèze. Hein. Bon, c'est pas pour me déplaire, il y en a peut-être un petit peu moins, de toute façon. Ouais, en fait, c'est ça qui perturbe, c'est que tu vois derrière ce qui se passe et du coup, t'as l'impression que tu peux y aller, mais non, en fait, pas forcément. Mais ça perturbe de ouf. C'est une sorte de machine. Je me demande ce qu'il alimente. Si on te le demande, tu dirais que tu sais pas. Ouais, 45 gigas la démo. En ça, moi j'ai un peu de chance niveau connexion. Il y a du rare. Est-ce que je vais réussir à le choper sur... Ah, on va quand même beaucoup plus vite. Hein. Bon, après là, je l'ai surpris parce qu'il était derrière le mur. Pièce rustique, c'est pas celui-là qu'il me faut, mais... Bon. Avec un coup de chance, je peux le geler. Blocage, c'est mort. Il a peut-être pas de faiblesse. Hein. Ou alors, je vois bien une attaque physique. Sauf que là, il m'en manque une. C'est celle avec les points. Ah bah non, il y a elle, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a elle, je crois que son attaque. Et il y a celle-ci. Qu'est-ce qui se passe là? C'était la faiblesse des autres. Première invoque, ouais. Alors. On peut essayer un certain nombre de choses. Avec les objets, par exemple. C'est pas déconnant. Ça m'embête un peu. Ça un peu moins. Parce que j'aime bien avoir des gemmes au cas où. J'aurais dû faire ça en premier lieu en fait. Il me reste la foudre, le feu à tester. Mais je me dis qu'il faut peut-être que je le tape physiquement. Que ce serait plus intéressant en fait. Blocage, bah ouais, tu m'étonnes. Avec un peu de chance. Bah non. C'est pas grave, la prochaine. Ah, j'ai quand même le tirage. C'est génial. Au revoir, petite mort. Oh, y a un truc par là? Non. Il y a du sang. Il y a dû avoir une bagarre cette nuit. En vrai, c'est un peu relou tous ces chemins. Ouais, juste... Le sprint s'est déclenché vraiment au bon moment, quoi. Oh, j'aime pas trop ça quand il y a du nudo là. Mais alors pas du tout même en fait.
Ah tiens. Lui je l'ai fait, c'est bon. Je le referai plus. Laisse-moi tranquille. Yes. Ah, il y a déjà un truc fermé. Bon. Bah, let's go. Voilà, ça va. On est 42. Bon après ça part très très vite hein. Talisman spirituel. Qu'est-ce que c'est? Je pense qu'un élément nouveau est apparu à ce niveau. Ce n'est pas très gros, mais je vous préviendrai quand vous serez à proximité. Je suis juste à côté. Ça, c'est clairement nouveau. Ça me dit rien du tout, c'est l'arc. Attends, c'est pas à cet étage? Non? Si, c'est là. Ça, je le voyais pas en fait à cause du mur. Par contre. PC plus 30, c'est sympa. Je voulais quand même voir un truc. Réduction, dégâts électriques faibles. Non, on va le mettre à... Ça. Je crois que c'est 3 PC, c'est pas grand chose, mais bon. Je crois que cet appareil a causé le tremblement qu'on vient de sentir. Le signal qu'elle émet est similaire à celui de celle de l'entrée. Sa forme est également similaire. Ce ne serait pas un portail qui mènera ailleurs. Je ferais mieux de regarder de plus près. Cet étage a quelque chose de différent. Est-il possible que cette horloge ressemble à celle du rez-de-chaussée? Il y a une brochure devant l'horloge. Le titre sur la couverture indique « Manuel de la grande horloge ». Pour ceux qui cherchent à devenir plus puissants grâce à une expérience commune, pour activer la grande horloge, il est nécessaire d'avoir au préalable une certaine quantité de fragments de crépuscule. Lorsque l'offrande est faite et que la pendule sonne minuit, la grande horloge peut être utilisée. L'observateur tendra alors la main vers le balancier en se représentant un récipiendaire de la puissance de l'horloge. Dernier jour du mois, activité vérifiée. Ce document semble dater d'il y a 10 ans. Les aiguilles de l'horloge sont déjà sur le 12. Tant qu'à faire, je peux très bien suivre les instructions et me représenter l'un de mes coéquipiers. Si vous utilisez fragments de crépuscule dans Tartare, une entrée vers une dimension spéciale avec une grande horloge peut apparaître. La grande horloge accorde un important bonus d'expérience à un coéquipier de votre choix. Bien que vous ne puissiez choisir que des alliés de niveau inférieur à Makoto, plus la différence de niveau est grande, plus le bonus est important. Ah bah c'est ça dont je parlais! Utilisez des fragments pour faire réapparaître l'entrée, n'hésitez pas à les utiliser. Tout accès à la grande horloge disparaîtra si vous passez à un autre niveau. En gros, c'est pour... ouais, pour faire monter. Comme Junpei, il est à la bourre. Voilà. Bien. Pendant une seconde, je vous ai tout perdu, et après on aurait dit que vous avez été téléporté ici. Quelle pièce étrange. À quoi sert cette horloge, à ton avis? On dirait bien que cela peut servir. Si cela semble utile, il serait judicieux de nous en servir. Elle n'a pas l'air dangereuse, peut-être qu'elle pourrait même avoir un effet bénéfique sur tout le groupe. Si l'entrée s'ouvre à nouveau, essayons-la. Hé, Makoto, je suis au taquet là, alors ça te tente de m'avoir à tes côtés? Bah du coup, oui, il faut peut-être l'emmener.
Et en fait, c'est ça, ça sert à rattraper les autres. Ce qui est quand même assez chouette. Oh non. Ah mais du coup la main, elle est dispo. Impeccable. Alors il me reste foudre, lumière. Je vois bien la foudre en fait. Hein. Allez je tente. Blocage. Lumière. Vas-y, lumière. Ça m'embête mais bon, on va essayer de l'avoir celui-là. Faut tenter ça hein. Purée, y a pas de faiblesse. Ok, bon bah let's go hein. Ah j'aurais dû le debuff, j'ai oublié. J'ai carrément oublié. Je peux tenter la théurgie sinon. Non, c'est pas déconnant. Ouais, malheureusement, comme je l'ai pas debuff, c'est un peu chaud. Je pense pas que ça va suffire, mais essayons. Par contre, ça peut mettre par terre. En gros, on fera de meilleures fusions, si j'ai bien compris. Alors, tir torrentiel. Attends, c'est quoi ça? Ou les ennemis? Hop, inverse ça. Et du coup, il a pris 5 niveaux. C'est vraiment trop bien ça. Enfin, il a rattrapé les autres, quoi. Alors, on monte là-bas. Hop, deux gouttes d'âme. C'est toujours 20 PC. Hein. Encore de nouveaux ennemis. C'est pour elle ça. Oui, ça c'est très bien. Plus vite on aura l'explosion arcanique, mieux ce sera. Parce que là j'ai pas de besoin particulier sur les cartes. Donc autant avoir les cartes de plus haut niveau possible. Parce que j'avais dit qu'il fallait que je passe 31 en plus. Décidément, il y a plein d'ennemis différents aussi. Hein. Alors, du feu. Oh, encore mieux. C'est tellement rare qu'il soit sensible à une attaque physique. Et quand c'est le cas, ça fait grave plaisir. Hein. Je
ça c'est trop important. Attends, j'ai pas tout compris, c'est l'arc, ce que t'as dit, non ? Ce que t'as écrit, pardon ? Et c'est pas encore... Oh la pièce de zinzin. Si. Je prends le risque. Est-ce que c'est censé marcher? Résistance ignorée. Résistance mais blocage. Bah je fais le test hein, on verra bien. Je vais peut-être la tuer là. Non c'est bon. Alors est-ce qu'il prend le feu? Peut-être bien. C'était la foudre, évidemment. Évidemment. Bah j'ai pas l'autre pour la foudre, donc ce sera lui qui va la faire. J'aurais préféré soigner là, mais bon. Alors il y a lui, magie 25. Hop, magie 26. Ah, c'est pas fameux. Hein. Même pas mal, mon pote. Et on va finir. Hein. Je prends pas le risque. Hein. Bon, après, ça va, ma Toto est bien. Disons que ceux-là, faut que je les attaque si j'ai la théurgie. Au cas où, quoi. Ah, il y a Megiddo quand même, hein. Allez. Attaque plongeon. Ok. Je crois que je l'ai bientôt, celle-là. On va quand même la prendre. Ah oui, d'accord, il y a du coffre fermé là. En fer. Kirijo-senpai,
J'aime. Bonne soirée, c'est l'arc. Et bon courage pour le temps. Ah, il va falloir arrêter quand même, là. Faut que j'atteigne un petit épée quand même. Ma bouffou, c'est pas ouf ça. On prend quand même. J'aime bien avoir un exemplaire de carte de chaque. Comme ça, s'il y a un besoin particulier, bah, je peux y répondre. Bah tiens, il y a un miroir en plus. Ça, c'est une attaque physique. C'est par ici. Je suis paumé ici. Ok, là il y a le prochain étage. J'ai failli me faire capter. C'est pas très grave. Encore un crit ? Ça me joue du bol. Petite économie. Ah bah super, Megiddo. J'avais pas eu tout à l'heure. C'est impeccable ça. Je me fais avoir avec des éléments du décor là. Je pourrais essayer de descendre ici en fait. Mais bon. Ah bah voilà un petit boss. Peu importe la force de l'ennemi, il est presque toujours possible de prendre le dessus. L'essentiel est de garder son sang-froid assez longtemps pour saisir l'occasion quand elle se présente. Assure-toi donc d'être en forme et paré au combat. Il ne faudrait pas que tu flanches après le premier coup. C'est... Je perçois quelqu'un à un niveau supérieur. Ah oui, une des victimes. Après, avant le combat, on peut utiliser... ce truc-là. Hein. Donc on utilisera la Laura Sylphid. Histoire 2. Oui. Se passe-t-il? À la suite de ta récente expédition, j'ai des nouvelles qui pourraient t'intéresser. Il semblerait qu'à l'heure actuelle, tes liens auront un effet bénéfique unique sur la création de nouvelles personas. Si tu veux profiter de cette occasion, je te prie de te rendre dans la chambre de velours. Ah, j'ai complété un truc. Quoi donc ? Ah, c'était pièce rustique qu'il fallait ? Ok. 7 onyx. Très bien, il m'en reste que 2 pour le moment. C'est impeccable. Allez, on y retourne. Ah non ! On approche d'une des victimes. Alors, un boss.
L'ennemi est fort. Assurez-vous d'être prêt avant le combat. Je suis prêt. Vite fait. Leader. Ombre ennemie en approche. Élimination de la cible. C'est dommage. J'ai cramé mes théurgies. Well, well, well. Attends. Non, j'ai acquis Ico, donc lui pourra faire ça. On va plutôt faire du feu du coup. Pas déconnant. Ah, j'espère qu'ils font pas de la lumière. Hein. Bon. De la glace donc peut-être. C'est pas forcément une bonne idée de faire ça mais bon. Ah non, ça l'avait sa théorie. C'est pas grave. Il me reste de la glace en fait. Tu vas voir, ça va être le seul truc que j'ai pas. Allez, je sais pas. Tant pis, hein. Oui. T'inquiète, je l'ai pas oublié, Fouca. C'est la glace. J'ai pas besoin de Fouca, moi. Par contre, c'est très embêtant cette histoire quand même. Oh, c'est bien ça. C'est absolument génial même. Alors, mode Ordia. C'est pas fameux, mais c'est toujours mieux que rien. Alors ça, c'est sur un seul ennemi, bon. C'est toujours ça de prix, hein. Mais faut que je reprenne Mitsuru parce que là, j'ai pas de place. Bonsoir Kendoza, comment ça va? Oh, le Rakela, Aegis, c'est trop stylé. J'avais même pas fait attention en vérité. Merci. Ça va super aussi, merci. Je
Non, j'ai pas de glace là, malheureusement. C'est pas très grave. C'est juste un peu plus long quoi. Elle, ça va, elle fait mal, hein. Il n'enlève plus. Ah mince, confusion. C'est bien aussi. Bon, on peut pas la contrôler quand elle fait ça, mais ça fait mal, hein. Impeccable. Stop vent. Il y a du vent. Arrête. Qu'est-ce qu'on vire? Ça, on peut le soigner avec des objets, donc c'est peu intéressant de le garder. Allez. J'aurais pu virer Galo aussi, mais non. Ennemi vaincu. Quelles sont les prochaines instructions? On continue à explorer. En avançant de manière constante, nous finirons par atteindre notre objectif. Même le voyage le plus long commence par un simple pas, comme on dit. Hey Gis, tu connais des expressions inhabituelles ou les as-tu entendues? Je suis un programme de cours quotidien. L'autre jour, Junpei m'a appris à écrire des haïkus. Oh mon tartare, sombre tartare décrépit, pourquoi es-tu si grand? je redescends vite fait pour prendre Mitsuru. Donc j'en ai pas de glace, je l'intègre au groupe. Pour qu'on puisse au moins faire de la glace. L'avantage c'est que j'ai quasiment cramé aucun PC là. Sanada, ciao. Elle, elle en a besoin d'un petit peu plus. Bon, on verra. Oh non. En fait, je jongle avec l'accessoire qui me rend 3 PC. Ceux qui en ont le plus besoin, quoi. Pas touche. Alors ça fait quoi ça? Esquive physique. On va laisser les points de vie à Makoto. C'est plus intéressant pour lui. Allez hop, ce sera pour Yukari. De toute façon niveau esquive, le bonus c'est pas ouf. Hein. We'll be right back.